mon Dieu, ce linge, tous les jours c'est pareil, j'en peux plus. De quoi? Tu veux savoir si un S a affaire ou pas dans chiffre d'affaires? Oui, il y a un S à affaire. Comme dans mon panier de linge, oui, il y en a plusieurs. Oh oui, je suis sûre. Et oui, un S à chiffre d'affaires parce que c'est la somme de toutes les affaires, de toutes les ventes réalisées au cours de la journée, au cours de la semaine, peu importe. Ne pensez pas que je perds la tête à vous parler de mes chaussettes alors que c'est une notion d'économie, non? C'est juste que c'est la même chose, le même fonctionnement. Puis c'est un bon moyen mnémotechnique. Maintenant, quand vous allez vous poser la question, vous allez vous me dire « Alors, l'autre petite rigolote, qu'est-ce qu'elle me racontait avec ses chaussettes ?» Ben voilà, c'est pareil. Maintenant, vous savez, chiffre d'affaires prend toujours un S à affaires. Voilà. Bon, si vous voulez d'autres petits astuces, d'autres petits moyens mnémotechniques comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou d'aller voir le site de Défi Orthographique. Voilà. Bonne économie à tous.